C'est... Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais quand je voulais examiner ce truc. Salut tout le monde, je suis Nala, salut Mimi, qui aujourd'hui, on est de retour à l'air libre avec Léon S. Kennedy sur Resident Evil 4. Où nous sommes... Eh bien ça, c'est une bonne question, on ne sait pas où on est, mais nous sommes toujours à la recherche... Encore une fois, de Ashley qui s'est, encore une fois, fait capturer. Lettre d'Ada. Une fois qu'un œuf de Paga a éclos, il est presque impossible de le retirer du corps. Avant ce stade, les médicaments peuvent faire effet. En dernier ressort, on peut tenter la chirurgie avant le stade adulte. Mais l'opération est très délicate. Cette intervention risque fort d'entraîner la mort du sujet. Je pense que l'œuf a été injecté dans la fille avant vous. Ces heures sont comptées. Préparez-vous au pire. C'est gentil de m'en informer, Ada, mais... La prochaine fois, si tu pouvais éviter de me flanquer un coup de... me braquer avec un flingue et de... plutôt que... Bref, m'aider plutôt que de faire ce que tu fais d'habitude, ça m'arrangerait. Je suis sûr d'avoir des choses à te vendre déjà et à t'acheter surtout. Un signe royal, vas-y. C'est pour aller avec la couronne. Je te vends mes yeux. Pose pas de question. Et du rouge carpet qui n'est pas un prix rouge. Voilà. Ensuite, optimiser. Ok. Ça, on s'en contrefiche. What are you buying? Ah, j'ai tellement de choses que je peux modifier. Mais il y a aussi, accessoirement, qu'on pourrait s'amuser à prendre, c'est ça. Mais je ne sais pas s'il vaut vraiment le coup. Donc bon. On va se contenter d'optimiser un petit peu Broken Butterfly, je ne sais pas. Le Black Tail. Tu augmentes à 24, c'est pas rien. Ça me tente, hein, ça me tente. Mais d'un autre côté, il y a ça. Je l'augmente de 6,5, de 0,5. Ça augmente de 4. Ça, ça augmente de 0,5. Vous savez quoi, j'ai augmenté le Broken Butterfly, le Magnum, comme ça, ça va peut-être, enfin, m'inciter à l'utiliser. Peut-être. On est sûr de rien. La tour! Mais oui, c'est la tour, là où on s'était fait... Où Ashley s'était fait kidnapper par des mouches géantes. Okay, on n'est pas trop paumé, mais on va reprendre quand même le flingue. Bon. Jusque là, tout va bien. Ça ne m'inspire pas confiance. Ah, voilà, j'en étais sûr. Monsieur, permettez-moi de vous loger une balle en pleine tête. Voilà, ça m'a pris deux essais, mais... Bonjour. Ça c'était l'œil gauche. Là, ça c'était l'œil droit. C'est bon. A chaque fois, ils me font flipper à mourir comme des poulets tétés. Mais non, tout va très bien. C'est pas une porte. Tadam. Tadam. Pari. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, cassons des trucs, enrichissons-nous sur le dos de ces Européens qui se refusent à me parler en anglais, malgré tout. Par contre, chic aménagement de ces ruines, hein, vraiment, je sais pas pourquoi vous les avez aménagées comme ça. Vous auriez une réponse à me fournir? Non. Bon. Oh.
Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ah bon, il a fait du coup. Vous êtes nombreux. Quand vous êtes nombreux comme ça, la solution... Riot Gun. Oh, il y a des plagages dans le coin. Voilà. Le ménage a été fait. Il nous reste juste un petit plagas. Mais ça, c'est pas un problème en soi. Ça se gère tout seul. Parfait. Ah, le pompe. Tellement pratique. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. C'est tout? Il n'y a que ça? Non mais vous foutez de ma gueule? Ah, c'est plagas. Ils ont un autre pour les rendre plus dangereux, mais ils pensent même pas à prendre des munitions avec eux. Un tonneau! Avec une grenade! Y a-t-il des choses en dessous? Non, il est plein de... bah de terre. Des condamnés. Oh! Oh, cette trappe n'est que décorative. Bon, ma foi, pourquoi pas, hein. Et cette armoire est-elle aussi décorative ou renferme-t-elle des... Non. Elle ne servait à rien. Toc, toc! C'est verrouillé. Un message dit, offre le sacrifice au lion. Est-ce que quelqu'un voudrait bien se faire sacrifier? Il n'y a plus personne. Sacrifice au lion. Oui, certes, et vous êtes sûr, ça, je ne sais pas. Non, parce que vraiment, ça ressemblerait à une sous-zone. Bon. Ah, c'est reparti pour fouiller les lieux. Je chercherai une échelle. En auriez-vous une par pur hasard? Là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bleu velours. Ok. Toujours pas de traces de rouge carpet. Ouais, le tonneau, il m'intéresse. Et les étages. Ok, fort bien, fort bien, fort bien tout cela. Oui. Mais. Ouais, là, je peux sauter. Là, je peux passer. Je n'avais pas été ici. Ok, bon bah. Donc il y avait bien une sous-zone qui était juste pas du tout là où je ne le pensais. Let's go. Ça grouille. Un message dit, devant vous se dresse l'offrande au lion. Ok, je peux prendre la stèle ou c'est trop compliqué? Tous ces crânes ne m'inspirent pas confiance. Tous ces squelettes ne m'inspirent guère confiance. C'est pas grave, j'ai une tonne d'herbe. Tout peut très bien se passer. Comme l'inverse. Tout peut aussi très mal se passer. Oh non, me dites pas que vous êtes sérieux. Pas encore des mouches. Ah non, ça a pas l'air d'être des mouches, ça a l'air juste d'être des humains. Des hispaniques. Des espas... je sais plus trop quoi. Monsieur! Pardon, excusez-moi.
qui a ramené des outils de jardinage. Oui, oui, vous avez une tronçonneuse, j'ai bien entendu, monsieur. Si vous pouviez venir maintenant, ça serait appréciable. Là où ça fait mal, merde, un pagage. Il va mourir? Merci. Oui, je sais, vous avez une tronçonneuse. J'ai tout compris. Voilà. D'autres amateurs qui décident, qui désirent enfin se joindre à la partie ou non? Bonjour monsieur. Comme ça. Bon bah, qu'est-ce que c'est? Ouvrir. Bâton royal. Je ne sais pas du tout si c'est ce que je cherchais. Et dans le doute, on va progresser. J'aimerais avancer. Merci. Voilà. Toujours pas calmé avec ta tronçonneuse. Est-ce que je peux l'aligner? Je peux. Hein. Ah d'accord. Bon. Ça a l'air mal barré. On va donc se contenter de copieusement l'ignorer. C'est fait. On va pas grimper avec monsieur qui nous attend là-haut. On va se contenter de progresser. Récupérer. Il y avait du loot. Il y avait du loot. Mon loot! Il a disparu! La tristesse. Bon, bah tant pis. Très bien ça. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé pas loin d'ici. D'accord. Non mais sérieusement. Sérieusement Léon, tu pouvais pas sauter. Ce Léon qui fait qui a la D'accord. Police. Il n'en avait rien à foutre de mes balles. Ah non, foiré. C'est pas grave. Je vous retrouve tout de suite pour le match retour. Ok. Voilà. Tu voulais ton match retour? Tu vas l'avoir, petit con. T'as une mitraillette. Mais moi, j'ai une... T'as une tronçonneuse. Mais moi, j'ai une mitraillette. Montre-moi voir un petit peu ce que tu peux faire face à ça. Enfoiré. Meurs. Meurs. Ah, ta. Bonjour messieurs. Vous n'étiez pas sur la liste des invités. Vous m'excuseriez. Je crois avoir fait un trou dans la porte. C'est pas grave.
Tout va bien. Bon. Reprenons le flingue pour économiser des munitions. Non mais... Oh, reviens. Vas-y, je te laisse même rentrer, tu sais quoi? Ah, la brave petite. Allez, meurs. Voilà! J'avais plus de mordants que sa tronçonneuse. Tronçonneuse. Là, j'ai du mal, moi. Aïe. Oh, c'est quoi cette clé? Oui, monsieur. J'ai votre clé, vous avez tout compris. Permettez que je fasse un petit poil de mixture délicieuse. Et secrète. Là va de soi. Oh. Ce drapeau rouge, vert, bleu. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Monsieur, je vous entends! Mais je ne sais pas où vous êtes! Mais oui, certes. Ah! Petite retraite. Allez, la tête. Le colocataire. Voilà. Plus d'autres. Plus d'autres. Parfait. Rechargeons. Et avance. J'ai la clé, alors ouvre-toi. Ah si, tu as une porte comme ça en plus. Soit, soit. Ça, ça se casse. Non. Voilà. Voilà, voilà. Et ça, ça... Police! Bon. Je crois que je fais face à un léger petit problème. Comment vais-je bien pouvoir régler ce léger petit problème? Désolé, mais la colocation, c'est pas pour moi. Vous vous adressez à la mauvaise personne. C'était les Plagas qui n'avaient pas d'hôte, ça. Bon, bah, j'imagine qu'il va juste falloir... Oh, damn. Bon. Bon. Non? Cette déception! Bon, d'accord, si vous voulez pas me... Ah, ils vont faire ça au retour. Oh, j'aime pas ces bruits, au secours. Ça ressemble un peu à une arène, si vous voulez mon avis, ça. Bon. Là, il y a un tonneau encore. J'aime vraiment pas cet endroit.
Comme beaucoup d'endroits en soi. Qu'est-ce que nous avons? Un corps et mille. Ibis, ça n'en finira donc jamais. Je prends, je prends. Les munitions commencent à se porter pas trop mal. Surtout celle de pompe et de magnum, mais ça, ça n'a pas changé. Une petite fleur. Je le sens pas. J'ai pas le droit de... Ok. Bah alors? Bah alors Léon? Faut pas que je lui tire dessus quand même. S'il fallait que je lui tire dessus, bon bah soit. Du loot. Là-bas, il y a du loot aussi. Je me permets de récupérer cela. Voilà, parfait. Messieurs, dames. Madame. Quel charmant couteau vous êtes. Non, mais monsieur. Respectez les étrangers, quoi. Bande de d'êtres incivilisés qui méritent. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Oups. Petite modification de planning. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel de merde? Je voulais pas lancer la machine. Bon, le fusil à pompe a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, faut croire. Bon. Reprenons le pistolet. Recharge. Tout va bien. Tout va bien. Non. Hop. Voilà, je suis en pleine forme. J'ai de l'herbe. Ouais, il y a une tronçonneuse à bord. Quelle est ma... Non, monsieur. Mais c'est pas vrai. Bon. Un moment. Voilà, oh, là, ça va trop vite. J'arrive pas à viser, j'arrive pas à les viser, j'arrive pas à les viser, j'arrive pas à les viser. J'arrivais pas à les viser.
Ma foi, j'aime pas le train. Ma foi, retentons notre chance. Ça va, on est juste à côté. On espère que ça va mieux se passer. Hop, on prend les munitions nécessaires. Voilà. Allez. Oh non. Bon. Voilà, je l'avais vu, je savais que ça allait arriver, je ne savais point quand, ce que je savais. On va se mettre de ce côté là, merde. Voilà, on y arrive. Il n'y a plus rien à récupérer, ce me semble. Non, je ne vois plus rien. On va rester sur le dernier wagon. Hein. On ne va pas perdre les mauvaises habitudes, s'il veut bien, Léon. Voilà. Là, on va... On va relancer la machine. Salut. Niveau munitions, on en a récupéré pas mal. On est relativement confortable. Va pour le mieux. Pour le mieux. Va pour le mieux pour l'instant. Sympathique, merci madame. Oups. Toi je t'ai vu mon gars. Tu ne démarreras pas cette tronçonneuse. J'avais le droit de venir. Oups.
m'apprête à sauter car je sais qu'il va être temps de sauter. Et vous, vous l'ignorez. Rattrapage réussi, bande de pigus. Bébé, j'ai le droit à un petit point de sauvegarde. Je l'apprécierai grandement actuellement. Rechargeons nos armes avant de frôler la catastrophe. Cette fois, on n'a pas eu besoin de se soigner, ce qui est grandement appréciable. Ah! Je crois avoir trouvé ce que je cherchais. Ah, ouf. Ils ont une sortie à la Skyrim. Pierre du sacrifice. Parfait, 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 parfait. Que veut-on davantage? Un petit point de sauvegarde, s'il vous plaît. Un petit point de sauvegarde. Où est-ce que je suis? Eh ben, j'avais raison. J'avais raison. Par contre, je dois bien admettre qu'il y a des choses que je n'ai pas bien compris, comme l'utilité donc de... Eh bien, de la salle où il y avait tous les pics. Mais bon, ce n'est pas grave. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les gens.